Voilà, trop c'est trop. Connectez-vous, capturez, partagez où vous voulez. Je suis fatiguée. Tata Lolo Beauté. Taguez Tata Lolo Beauté. Je ne vais pas laisser quelque chose tranquille. Si vous voulez, prenez mon nom, allez où vous voulez. Voilà, parce que je suis fatiguée. Tata Lolo Beauté. C'est le moment de me laisser tranquille. J'espère qu'on s'est compris. Il faut me laisser tranquille. Tu n'as jamais aimé notre maman ici. On t'a vu ici. Tu as détesté notre maman. Tu l'as persécutée ici. Tu étais jalouse d'elle. Comme tu n'as pas pu faire ce que tu voulais faire là. Jusqu'à elle est partie, c'est sur moi maintenant que tu veux venir. J'espère, moi je suis seulement, moi seulement, je suis ton terminus. Lolo Beauté, j'espère qu'on s'est compris. Il faut me laisser tranquille. Tu as tes enfants, occupe-toi de tes enfants. La seule famille que moi j'ai là, c'est mon papa et ma maman. Ce sont les deux personnes que moi je connais. Depuis ma maman était là, là, toi tu étais où? Est-ce qu'on t'a vu ici? C'est quand ma maman a décidé que tu es venue, tu commences ça? Lolo, il faut me laisser tranquille. Tata Lolo Beauté, il faut me laisser tranquille. Merci bien. C'est Kimi qui m'a mené la capture. Faut que tu comprennes quel est l'état de l'esprit de l'enfant aujourd'hui. C'est Kimi qui m'envoie la capture. Pour dire, papa, comment se fait-il que, je ne vais pas dire son nom, mais telle personne qui est de ta famille se retrouve dans un live avec un faux compte et en train de parler de moi. Dans l'esprit de la petite, ma famille, mes soeurs sont en train de travailler contre elle. C'est psychologique. Donc, quand il se lève le matin et qu'elle voit encore peut-être sa tante qui est peut-être quelque part où c'est mental et c'est psychologique, ça peut t'amener à péter et à commettre une erreur. C'est ce qui est arrivé. Et je te demande pardon. Je ne peux pas venir te dire. Non, ce que tu as fait est mal ou est mauvais. Non, tu as tes raisons. Tu as tes raisons. Mais moi, je viens te présenter des excuses parce que ma fille est sortie et de la manière dont elle s'est adressée à toi, elle n'aurait pas dû le faire. Kimi n'est pas une fille méchante. Tu le sais et je le sais. Mais à bout, à force d'encaisser, ça fait 6 mois. Il n'y a pas une seule semaine où des femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause vont faire direct pour parler de leur enfant, de quelqu'un qu'elle peut mettre au monde, qui est Kimi, qu'elle peut mettre au monde. Un enfant. Les gars, sécurisez le direct, s'il vous plaît. Je veux que vous partagiez. Il n'y a pas un jour. Moi, je vois des gens qui me disent, oui, mon général. Sanctionne, moi je sais ce que ma fille peut ressentir. Parce que son erreur pour une enfant de 19 ans, c'est d'aller écouter les lives des gens. Kimi a quelle expérience? En matière de vie sentimentale, elle n'a aucune expérience. Sa mère n'a pas été là pour lui donner toute l'expérience qu'il faut. En matière de gestion de la Starmania, Kimi a quelle expérience? Elle n'a aucune expérience. Elle est naturellement ce qu'elle est. Le jour où elle est contente. Kimi se met, je l'ai déjà vu peut-être en colère 3 fois de toute sa naissance, contre Métis, contre moi et aujourd'hui contre sa tante. C'est la première, c'est la troisième fois que je vois Kimi exploser, sortir de ses gonds et prendre le soin de parler. Elle ne parle jamais. Elle encaisse, elle encaisse. J'ai vu. Pendant ces 6 mois, comme je te l'ai dit. On va faire ça parce que c'est un clip qui sera tourné dans un autre pays, dans un autre pays et tout. Et là-bas, là, c'est pas un petit jeu, c'est pas comme le clip Kimi là. Et c'est nous deux, on va tourner. Il y aura pas de, il y aura des figurants, mais les figurants seront pas ses amis et tout, les trucs comme ça. Et il a fait un autre clip avec Khalil et Mariam, un clip de mariage et tout. Donc ça sera sorti. Il voulait que nous, notre clip sorte avant le clip de mariage. Mais on avait parlé et tout. Parce que le clip de mariage aussi, il a vraiment, il a bien fait quoi. Donc il n'a qu'à faire sortir avant ça.
Le temps que nous tous, on puisse prendre une décision et tout, et après, vers la fin de l'année, maintenant, on fait sortie pour nous, si jamais on s'est bien entendu. Parce que si on s'est pas bien entendu, là, moi, je vais pas faire sa chanson, là. Je vais pas faire sa chanson, là, et tout. Bon, là, pour le moment, et puis, il a eu le culot même d'aller dire à papa que ça, c'est de la manipulation encore. Ça, c'est... Tu as parlé de manipulation deux fois. Si au moins c'était une fois, j'allais dire bon. Pourquoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Ça, c'est de la manipulation parce que tu ne peux pas aller dire à papa que si elle ne veut pas faire, je vais prendre quelqu'un d'autre. Papa, ce n'est pas son camarade. Ce n'est pas ce que je vous ai dit ici. J'ai dit lors du brunch, Axel avait dit que si Kimi ne veut pas continuer le buzz avec lui, il va aller prendre quelqu'un d'autre. C'est toi encore Kimi qui est en train de dire ici qu'il allait dire à papa que si tu ne veux pas, il va prendre quelqu'un d'autre encore. C'est pas moi qui l'ai dit. Ou j'ai inventé quelque chose. Ou j'ai dit quelque chose que tu ne m'as pas dit. Et puis il a eu le culot même d'aller dire à papa que ça c'est de la manipulation encore, ça c'est de la manipulation parce que tu peux pas aller dire à papa que si elle veut pas faire, je vais prendre quelqu'un d'autre. Papa, c'est pas son camarade pour qu'il parte lui dire ça comme ça et tout. En tout cas, tata, j'ai bien compris. Ses parents, s'ils avaient dit, ils allaient venir en Côte d'Ivoire, mais bon, finalement, ils sont plus venus. Le côté des parents d'Axel, Mera et... Je vous ai dit qu'ils avaient dit qu'ils allaient payer Palette. Qui n'ont pas payé. Quand je sors pour parler, si ça ne t'arrange pas, tu dis non, tata, ça là, ça ne m'arrange pas. Et tout, ils avaient, c'est comme ça aussi, ils avaient dit, ils allaient prendre les palettes. Finalement aussi, ils n'ont pas pris les palettes et tout, c'est resté comme ça. En tout cas, j'ai bien compris, tata. De toute façon, je suis là, j'observe tout, je parle pas et tout. Et ses parents, même, je vais commencer à m'éloigner d'eux et tout. À m'éloigner d'eux parce qu'ils sont toujours là et tout. Je me sens étouffée. Donc là, j'avais même commencé depuis à m'éloigner d'eux et tout. On a juste parlé le jour où il y avait le problème avec Axel cette semaine-là. Mais bon, quand vous m'appelez là, je vais dire non qu'à laisser. Je vais parler avec eux peut-être par message. Bonjour, ça va bien et tout. Mais appelle, dis qu'on va téléphoner. Fais des minutes au téléphone maintenant. Ça sera super rare. Peut-être ça sera pour prendre de mes nouvelles vite fait et puis c'est bon. Parce que de la façon qu'ils sont en train de voir les choses partir, là, c'est pas bon. C'est pas bien et tout. Je vais travailler. Oh, merci. Il y a le courant qui a été coupé. Dans tout ce que... j'ai dit ou j'ai fait. À quel moment j'ai fait quelque chose de mal